Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog où on retape le dressing. En fait, pour vous expliquer, quand on a décidé de déménager, En vrai, on le savait, ça faisait longtemps, là, mais quand on a emménagé, on avait pris une semaine temps plein pour faire l'emménagement, la peinture et tout, et on était un petit peu trop ambitieux. En vrai, ça a été une galère. On a fini des soirs de faire la peinture à 5h du matin et même que j'ai dormi sur le coussin des chiens. Juste pour vous dire, ça c'est sans compter qu'on a pris les deux derniers jours qui nous restaient de la semaine pour déménager les meubles et que, ouais, ben, à un moment donné, on n'avait plus de boîte, c'est vraiment un fourre-tout, là, on crissait tout n'importe où, en vrai. C'était vraiment juste, on a l'essentiel, puis le reste, mettez tout ça, ce que vous voulez, on s'en fout, tant que c'est plus dans l'autre maison. Parce que j'avais quand même donné mon avis, puis que c'était notre dernière journée. T'sais, on pouvait pas trop comme dire ouais finalement on va rester encore 4 semaines, t'sais. Fait que c'est pour ça que le dressing ben il a pas été fait. On a manqué de temps, par année ben fallait choisir ses combats et le dressing n'en faisait pas partie. Pour commencer par enlever nos porte-miroirs qui premièrement sont bridés, qui devraient partir un jour ou l'autre. Ensuite ben, on va enlever tout ce qui traîne dans le dressing, à commencer par le linge, puis ensuite les estis que je t'écœurais de voir, je vais vous dire. Comme vous pouvez le constater, là, c'est pas une place, c'est pas un meuble pour serrer du linge. Anyway, on a beaucoup trop de linge, puis à un moment donné, ça rentre même plus. Là. Il y a du linge qui est à côté que je peux même pas mettre dedans. Là. Puis tu sais, c'est bien beau avoir des cintres, là, puis pouvoir serrer du linge dessus, mais tu sais, ça reste que j'ai pas de place sur mes bas, j'ai pas de place sur mes bobettes, puis moi, aller fouiller dans un bac avec mes bobettes tout pêle-mêle, c'est pas vraiment ce que j'aime. Fait qu'on a décidé de tout refaire ça et ben il fallait commencer par tout bonne chose, placer et peinturer, et oui! Donc ensuite de ça, ben j'ai quand même fait des plans, et oui, donc je vais vous les montrer. Et après ça, ben, on va refaire le tout en suivant les plans que je me suis trompée dans mes données, bien sûr, parce qu'on a dû regarder 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parce que là, il y avait IKEA, mais IKEA était fermé parce que c'était à Québec, on était en zone rouge, il y avait Tanguay, mais c'est sur Internet, on a passé vraiment sur Internet. Puis après ça, on a trouvé un chez Canada Center, mais j'avais oublié, fait que j'ai pas fait selon ces dimensions-là. Mais bref, on va réussir à s'en sortir quand même, j'en suis sûre. Je vous laisse avec la suite! Ça, c'est débile, là. Ça, c'est débile. Ouais, j'ai vu tantôt. C'est ça, tu vas avoir un sorblant à 30 mètres d'avant, puis encore des bulles. Je sais pas trop ce qu'il faisait avec son blaster, là, mais il avait tellement pas l'air à l'étaler pour faire ça. Ouais, ça me sidère rien. Cette bulle-là, là. Ça, c'est... On va du fond de main, est-ce que c'est? Yes. Hein? Pépite de sang blanc, là! Don't leave me.
C'est quand même dur une phase de même le matin. Donc hier en fait, comme vous allez pouvoir, on a tout vidé, on a tout enlevé. Mon chum a plastré les trous ce matin. Il a essayé de passer le sablage partout, sauf qu'il y a des places qui étaient pas secs. Puis là, ben c'est ça. Moi, on m'a mis sur la mission de faire ça, sauf que... En fait, je vais vous tourner. En fait, c'est ça, là. Il y avait eux autres. Aïe, je me suis vengé, là. Il y avait eux autres ici qui étaient pas secs. Là, vite de même, quand je touche, ça a de l'air sec. Ça a de l'air sec aussi. Ça, ça avait de l'air correct aussi. Tu sais, c'est dur à dire. Je suis pas bonne là-dedans. Fait que ça, ça avait de l'air quand même beau. Lui, là-bas, je l'ai tâté. Il avait de l'air beau. Mais là, je sais que lui, ici, là, en dessous de la biblio. Celui-là il est pas sec, j'ai mis mon gros doigt dedans puis il est resté, fait que ça c'est pas sec. Lui dans le bas là, ça a de l'air correct. Mais là pour l'instant, je me dis que tant qu'à sabler mais pas pouvoir peinturer au complet, je pense que je vais juste attendre puis on va faire ça plus tard ce soir puis on montrera les meubles demain. Fait que c'est ça, je trouve ça tendance parce que j'aurais préféré finir aujourd'hui. Fait que si mettons tout allait être sèche le matin, ben quand mon chum serait parti, je m'aurais pas recouché. Puis parce que je sais pas si je vous ai dit, oui. En ce moment, il est midi. Je me suis levée à 11h. On s'est couché, sur ma défense, on s'est couché vers 1h, 2h. Puis à 6h, mon chum décollait l'aspirateur pour tout sabler ça. Mais je filais pas trop, en fait. On chauffe au bois, puis c'est vraiment sec chez nous. Fait que quand on se couche, là, je suis tout le temps pognée du nez, sec de la gorge. Puis on avait mis un humidificateur. Mais il est brisé! Yeah! Fait que c'est ça. Fait que je me dis que tant qu'à faire ça, tu sais, c'est ça, je l'aurais fait un matin. J'aurais tout peinturé en fait tout de suite, première couche, j'aurais attendu une heure, deuxième couche, tout ça. Fait que je sais que le soir quand on serait arrivé, tout serait sec, on aurait pu monter les meubles. Mais là c'est ça, fait que je préfère tant qu'à faire attendre, mon chum va faire ça à soir, on va pas recommencer la première peinture, peut-être même la deuxième. Demain matin en se levant, ben au pire on fera la dernière couche. Puis après ça, on montrera les meubles samedi. C'est étonnant parce que là, on a comme plusieurs chantiers en ce moment. Ma cave est toujours, c'est toujours un mess. Mais bon, on peut pas rien faire. Si vous voulez juste voir en gros, là, puis là vous allez voir, la maison c'est un bordel parce qu'on a sorti tout le linge. Fait que mon divan est pris. Sans compter, on a le meuble ici, là, mon pouf que j'ai mis en vente parce qu'on s'est racheté une table, là, les chaises qui traînaient, là, ici, puisqu'on rentre le bois en ce moment, que le plancher n'est pas fini. Si des fois vous n'avez pas vu mon story time sur la maison ou mon room tour sur la maison, vous pouvez toujours aller le voir. Comme ça, vous allez un peu comprendre pourquoi la maison, justement, c'est un gros mess comme ça, puis pourquoi on est un peu découragé. Puis ben, c'est ça, en ce moment, la cave, c'est vraiment, on n'a plus de marche, fait que là, on descend en sautant, aïe aïe. Comme ça. Ensuite, on a notre trois marches ici. Il faut que je fasse attention. Hier, j'ai manqué de me tuer. Après ça, mais c'est ça. Quand on descend ici, là, on a le plancher, en fait. Après ça, on a des bacs parce que j'avais fait sécher mon tapis. Après ça, le poêle à bois en ce moment qui fonctionne. L'escabeau, parce qu'on est déjà ici par la fenêtre. Ici, on a tout le bois qu'on a acheté. Les fonds pour faire l'isolation. Après ça, ben, les petits meubles qui traînait la deuxième litière, puis ben, c'est ça, en ce moment on est en train de faire l'isolation en haut pour ensuite pouvoir tout fermer là. Mais tu sais, ça paraît facile de même là, mais c'est quand même long là, tu sais, on est juste deux, moi je peux pas tout faire non plus parce que ça reste que je suis pas la plus manuelle puis la plus habile, puis des fois ben tu sais, j'ai peur aussi de me faire mal. Fait que tu sais, c'est ça là, en ce moment, surtout pour les mesures du fond, je suis pas très confiante, je préfère que ce soit mon chum qui le fasse, comme ça ben je me dis que ça va être fait comme lui le veut, fait qu'au moins il pourra pas me chialer en disant « Karen, comment je fais ça? » J'espère. Ensuite, ben, faut tout mettre de l'urétane en fait au travers pour boucher les trous. Puis ensuite, on pourra s'envoyer sur les murs. Je sais pas si je vais vous filmer ça en fait, parce que j'ai peur que ce soit pas de blabla, puis vraiment juste du filmage. Puis je sais pas si ça va être intéressant. Mais bref, on va y aller pour le dressing. En plus, je me dis que la vidéo va durer sûrement genre un milliard de milliers d'années. Fait que on va voir avec ça. Puis je vais voir aussi si justement celui-ci vous a plu ou pas. Je vais sûrement le sortir. Puis il devrait sortir comme un petit vlog surprise, je crois. Fait que ben, je vous laisse là-dessus. Puis on va vous reprendre sûrement ce soir. Parce que pour l'instant, Karen, c'est comme je vous dis. J'ai jamais vraiment fait ça sablé, puis je veux pas non plus briser que quelque chose soit pas sec nécessairement. Puis comme la maison est mal isolée,
ça se pourrait très bien que les murs soient pas autant isolés, puis comme il fait froid dehors en ce moment, ben le plâtre ils veulent pas sécher, c'est ça qu'on a peur justement. Parce que, comme je te dis, la maison c'est un mess. Donc sur ce, ben je vais aller déjeuner. Puis c'est ça. Donc comme vous pouvez le constater, nous allons avoir 3 meubles de 4 tiroirs. En haut des 3 meubles, on va avoir un vide d'environ 30 pouces. Ensuite, on va avoir 2 tablettes. La première tablette fait la longueur des 3 meubles et l'autre tablette fait vraiment la longueur du garde-robe complet. De chaque côté, on va avoir des pôles qui vont être la longueur de l'espace entre les meubles et le mur. De mon côté, j'ai une petite bibliothèque d'environ 1 pouce de long, large, profond, de profondeur. Et sur ce, en fait, ben, c'est notre rangement complet pour le garde-robe. C'est beaucoup plus simple et facile en voix off. Donc, je vous laisse avec les travaux. Bon, ben, après avoir cherché Shadow pendant genre 40 minutes parce qu'elle s'est sauvée de la chambre à cause de l'aspirateur, on peut recommencer. Youpi! En fait, elle s'était cachée dans cette litière, sauf qu'on a cherché partout dans la maison, sauf dans la litière, fait que, ouais, c'est pas super. Donc pour vous faire un update un peu, on vient de finir de monter le meuble, ça fait environ une quarantaine de minutes parce qu'en plus j'ai eu des problèmes de batterie et de carte mémoire qui étaient pleines. Suite à ça en fait, ben là, on a voulu à côté le mur, sauf que comme vous pouvez constater ici là, ben, il y a une prise de courant, fait que le mur peut pas être bien écrasé dans le sens, fait que comme les deux autres, ben, il n'y a pas de prise de courant, les deux autres vont être bien à côté sur le mur, mais lui pouvait pas. Fait que là, ben, faut faire un petit trou où ce qu'il y a la prise pour qu'on puisse bien rentrer le meuble dans le chose. Fait que là, après ça, ben, il va nous rester deux autres meubles à monter. Fait qu'on a encore environ une petite demi-heure de montage pour chaque meuble. Ensuite, on va tout venir les installer. Suite à ça, on va installer donc les pôles à pas rideau, mais les pôles pour les cintres pour le linge. Sauf que là, on en a deux qui étaient plus longs parce qu'on a voulu les réutiliser. Fait qu'on va les couper. Et après ça, on va aussi couper une tablette. Et c'est pas mal ça. Fait que je vous laisse et on se revoit plus tard. Bébé, dis-nous qu'est-ce que tu fais. Oups. Ce que je fais dire ce que devant ma lumière. Là, on s'apprête à poser les tablettes du haut. Oui, oui, vous avez bien entendu, les tablettes du haut. Puis comment vous allez faire ça, poser les tablettes du haut? On va prendre nos mesures, on va mettre les équerres à bonne place, et on va mettre les tablettes dessus les équerres. Waouh! Hey, hein? Ça a l'air si simple, mais c'est si compliqué. C'était con. Ouais, pose tes tablettes. C'est si simple. Mais c'est si compliqué. C'est si simple, vous avez dit. Mais c'est si compliqué. Si simple. Mais si compliqué. Oh, mais... Vous avez la face éclairée, mon homme. Il se peut que oui.
il est environ 3h du matin et je vais arrêter le vlog ici. Vous allez pouvoir voir le résultat final dans le prochain vlog avec tout l'aménagement du dressing. Donc sur ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez toujours liker pour me montrer que vous avez aimé pour que j'en fasse d'autres. Sinon, vous pouvez toujours commenter et vous pouvez vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis ciao!